Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les propositions faites par des mandataires sur l'achat d'un véhicule neuf avec des réductions. Sur une de mes vidéos les plus récentes, je vous ai parlé de la fameuse TVA que l'on perd dès que l'on franchit la grille de la concession. On achète la voiture TTC. Si on passe la grille, la valeur de la voiture descend de la valeur de la TVA. Immédiatement. Et ce ne sont pas que pour les voitures, hein, je répète, ce sont pour tout. Tout véhicule, tout ce que l'on achète au quotidien, véhicule particulièrement, bien sûr. Alors, on va voir un peu un mandataire. Alors, j'ai pris un mandataire parmi tant d'autres. Celui-ci, pourquoi pas. Je ne mettrai pas le nom, hein, c'est caché. De toute façon, vous pouvez chercher de votre côté. Hein. Vous avez plein, hein, maintenant, de services comme ça disponibles. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le taux de réduction sur une Zoé neuve. Parce que ça devient vraiment intéressant. Alors c'est lié aussi à l'arrivée de la nouvelle Zoé. La Zoé 50 ou la Zoé 2. Et une Zoé vraiment particulièrement intéressante vu l'équipement. Et celles-ci qui existent actuellement, que l'on connaît, sont en promotion en quelque sorte. C'est les soldes. Ce n'est pas les soldes d'été, hein. C'est les soldes, voilà, c'est comme ça. Et on va prendre un modèle très bien équipé pour voir un peu ce qui est proposé par rapport à une concession Renault. Vous avez les prix affichés, ce sont les prix réels de la concession, et ensuite les prix avec réduction. On prend un modèle, par exemple, une finition très intéressante, on ne prend pas le Leaf. Hein. Leaf City, ce sont les plus fortes promotions, bien entendu. Mais ça, non, je vais partir d'un modèle bien équipé. Pas un moteur Q, mais un moteur Renault. Alors on peut prendre un moteur Renault ou un moteur Q, on a le choix. Est-ce qu'on a le choix au niveau des réductions? Ah, eh ben non. Vous voyez? Au niveau des réductions, on va prendre le moteur R110 qui va bénéficier de 12,5%. On peut prendre le moteur Continental Q90. Avec le moteur R110, donc 108 chevaux réels, vous aurez plus de puissance, puisqu'il y a 20 chevaux de plus que les moteurs classiques de la Zoé. Hein. Donc ça doit être assez impressionnant quand même. Donc sur une finition haut de gamme intense, donc vous avez tout, hein, la totale, quasiment, un prix catalogue chez Renault de 26 600 €. Le mandataire propose 12,5% de réduction. Ah, c'est pas rien. Hein. Ce qui l'a fait tomber à 17 275 €. Ah, voyons ça de plus près. Alors on voit, ne vous fiez pas à la photo. Elle est fausse, hein, puisque ce ne sont pas des jantes. Ce sont des jantes du modèle de base, la Leaf. Alors que l'intense a des jantes 17 pouces. Donc ce qui nous intéresse, c'est le tarif. Donc de 26 000 et quelque chose, voilà 26 600, ça tombe à 16 700. Alors bien sûr, il y a la prime écologique, le bonus écologique, je veux dire, de 6 285. Tiens, c'est pas 6 000 €. Plus une promotion. L'économie de base avec leur réduction, c'est de 3 325 €. Ça, c'est concret. Ensuite, le prix remisé de 23 000. Et ensuite, tout déduit, ça l'a fait à 16 757 €. Alors, dis donc, par rapport aux occasions que l'on trouve sur le bon coin ou d'autres, hein, par rapport à une Zoé Leaf de 2014 ou 2015 qui va être à 9 000 €, ou 9 000 € environ, une finition de base, et celle-ci qui est neuve, donc garantie neuve, toute récente, à 16 757 €. Oh, ça fait réfléchir, hein, quand on a un peu plus de 1 000 €, quand on engage un crédit, parce que là, c'est acheté comptant. Hein. On peut l'acheter, bien sûr, je vois, financement, 276 €, c'est à voir avec eux. Mais si on l'achète cash, avec les réductions 12,5% et tout équipé, ah bah dis donc. Alors bon, j'ai sélectionné les couleurs, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Je sais pas. Oui, les couleurs, on clique là, la céleri, c'est qu'une céleri, c'est noir. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme équipement, cette voiture-là?
on va prendre leur option à eux. Aide au parking arrière avec caméra de recul. C'est-à-dire que cette finition-là fournit le radar de recul. Et si vous voulez un rajout d'une caméra, c'est facturé 350 €. Le câble de recharge type 2. Oui, parce qu'elle n'est pas fournie avec la voiture. C'est pas une obligation. Hein. Même chez Renault, c'est à négocier avec le vendeur, bien sûr, mais bon. 250 €. Et vous fournissent par contre le flexi-chargeur. Ça, vous l'avez dans la voiture. Déjà, vous pouvez recharger chez vous. Les jantes aluminium 17 pouces Techrun. Ah, elles sont vraiment magnifiques, ces jantes-là. Ah oui. À 350 €. Pack intérieur, on peut choisir la couleur, on peut choisir... Ah ben voilà, les fameuses peintures et les couleurs, elles sont facturées ici. Peinture gris titanium, ça lui va comme un gant, à mon avis. Blanc nacré, ces fameux blancs avec des reflets glaciers qui est magnifique, à 740 €. Hein. Et vous ne pourrez pas négocier parce que il y a déjà une marge de 12,5% hein, de réduction, et une réduction de 12,5%, je veux dire, donc... Il n'y a pas possibilité de... Mais on a quelques options quand même. Voilà. Équipement de série. 3 appuie-têtes à l'arrière. Alors que c'est le modèle de... comme la mienne, il n'y en a que 2. ABS, bien sûr. Alerte 101. L'image automatique des feux et essuie-glace, ça c'est normal. Banquette 2/3, 1/3. Ça c'est intéressant. Parce que les Zoé que la majorité possède, on a une banquette qui se replie, qui se baisse en un seul tenant. Que les nouveaux modèles, c'est 1/3, 2/3. Voilà. Carte fonction main libre. Donc la carte, vous la laissez dans la poche, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, dès que vous approchez de la voiture, elle se déverrouille. Dès que vous vous éloignez de la voiture, elle se reverrouille. C'est pratique. Cartographie Europe. Donc tout ce qu'on connaît. Donc Android Auto, c'est d'office. Hein. C'est installé par Renault. Alors je passe flexi chargeur, voilà, 6,50 m, c'est fourni avec. Harmony Full Black, je sais pas. Jantes aluminium, 16 pouces, diamanté noir. Ce sont les jantes que l'on trouve maintenant sur les Renault Zoé standard. La menthe 16 pouces, c'est l'idéal pour la Zoé. 15 pouces, c'est pas bon. 17 pouces, bah c'est pas terrible au niveau de l'autonomie, au niveau du confort. Par contre, c'est très beau au niveau du look. Et 16 pouces, c'est l'idéal. Tenue de route, confort, autonomie, 16 pouces, c'est le top. Donc on peut laisser en jante aluminium 16 pouces. Alors, la vitre arrière, électrique, bien sûr. Nouvelle harmonie, pack look, peinture opaque, pré-équipement, service connecté, évolution. Donc c'est le Airlink évolution. Radiosat, son auditorium, plus 3D sound, plus les haut-parleurs, donc c'est un son, un rendu amélioré par rapport à la Zoé de base. Ça fait partie de la finition. Airlink Evolution, voilà, c'est indiqué là. Céleri tissu technique noir. Alors la céleri de la Zoé est très résistante. Ah oui, costaud. Hein. J'ai conduit des Renault, ça tenait pas le coup. Hein, mais là, là, je peux dire que ça tient le coup. Donc ça fait vraiment... des promotions intéressantes. Ben oui, c'est lié à l'arrivée de la deuxième. Hein. Je pense. Hein. Je n'ai pas vérifié auparavant, mais ça m'étonne parce que par moment, il n'y avait pas des réductions comme ça. Et là, maintenant, on se retrouve avec des bonnes remises. Vraiment intéressantes. Ça fait réfléchir. Parce que une Zoé neuve avec l'aide de l'État, ben, ça la rend accessible. Et là, plus la promotion, ça la rend encore plus accessible. Et c'est du haut de gamme en finition. Il y a tout à l'intérieur. En plus, un moteur Renault de 108 chevaux, donc puissant. Et vous ferez autour de... Vous approcherez les 400 km hein, d'autonomie. Avec le moteur Renault, vous aurez une plus grande autonomie qu'avec le moteur Continental. Par contre, vous rechargerez à 22 kg sur une borne type 2, 43 kg. Ça, on ne peut pas tout avoir. Mais bon, c'est fiabilisé, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était simplement pour vous montrer une possibilité d'avoir des Zoé vraiment intéressantes, en neuf. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.